Donc je m'appelle Arthur, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur à Télécom Saint-Étienne. Avant Télécom Saint-Étienne, j'ai passé un bac scientifique et j'ai enchaîné avec le concours GEPI Polytech qui m'a permis d'intégrer la prépa intégrée de Télécom Saint-Étienne. Durant la deuxième année d'école d'ingénieur, on avait le choix entre différents parcours et j'ai choisi le parcours informatique réseau. Donc dans la partie informatique, on fait tout ce qui est développement informatique. On travaille sur différents langages, du Java, du JavaScript. Et dans la partie réseau, on travaille un peu tout ce qui est fonctionnement des réseaux et tout ce qui est architecture des réseaux informatiques. Je vais suivre l'année prochaine un cursus à Télécom Sud Paris qui s'appelle Architecture et intelligence des réseaux qui se trouve être en alternance. Pour moi, les points forts de la formation, c'est avant tout les projets. On a des projets qui utilisent des langages informatiques et des technologies qui sont très utilisées dans l'industrie. Ça nous permet d'avoir des points qu'on va pouvoir réutiliser dans notre vie future. Et il y a également un projet qui s'appelle le projet en ingénierie qui est fait en coopération avec des entreprises. Donc pour moi, il y a une très belle vie étudiante. Je suis président de la FAT, la Fédération des associations de Télécom Saint-Étienne. Donc c'est une association qui regroupe le bureau des élèves, le bureau des sports, le bureau des arts et l'association de robotique. Télécom Saint-Étienne, c'est une école familiale, donc une école à taille humaine où tout le monde se connaît, où il y a une bonne ambiance et où il fait bon vivre.